Hey, y'a tout le monde et bienvenue pour l'épisode 6 de Gorianska. J'espère que c'est le 6 en fait. Normalement, oui, c'est bien le 6. Donc, aujourd'hui, on va continuer un petit peu dans les quêtes. Alors, je veux continuer notamment dans les quêtes. Pourquoi? Parce que il y a toujours un mob à faire. Good. Il y a toujours un mob à faire, donc du coup, il va falloir qu'on ait des mobs dedans, notamment ça. Mais également, il va falloir de la Crazed Earth, hein, donc c'est de la terre qui permet de faire popper pas mal de mobs. Et notamment, il faut bien diriger les mobs vers l'intérieur de la tour pour bien les faire tomber et qu'ils aient mal. Et voilà, tout le tralala. Oh, c'est beau ça. Ouais, enfin bref, c'est quand même beau. Oh là, il y a plein de bordel là-dedans. Donc, bah ceci étant dit, il va falloir quand même un petit peu d'avoir ce qu'il faut. Donc, dans la quête, ce que j'ai fait, alors on va pas s'attaquer à Botania. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi de le faire pour l'instant. On n'avait pas fait ça. Il y avait ça que je voulais faire, mais c'est trop long. Ah oui, c'est comment? C'est un petit peu Botania, c'est pour faire ceci. Donc c'est du puzzle, hein, donc ça c'est simple. En plus du puzzle, on l'a déjà le puzzle normalement. Un puzzle, hop là, on l'a, hop, Klimwera. Voilà, on a le. Non, non. Du coup, on a le ceci. Nous avons le puzzle qu'on remet là-haut. Voilà, tout simplement, il va falloir. Alors, Botania, c'est bien beau. Mais on va pas faire Botania exactement maintenant, parce qu'il va falloir du terrain, ce genre de choses. Notamment ceci, bah, il faut que je le ramasse. Hop là. Que je le remette dessus. Hop, que ça, je refoute là-dedans. Oui, alors, il va me falloir justement la quête qui est. Est-ce que je vais réussir à la voir? Voilà, c'est ceci qu'il me faut. Alors, du coup, il nous faut justement une Sprite Iron. Sprite Iron, justement, dans d'autres quêtes, la Sprite Iron, c'est fait avec des épées en fer, un cube en fer, ce genre de choses. Bah là, en fait, c'est à partir d'une Wooden Sprite, donc ce qui est que du bois, on fait couler actuellement 5 lingots dessus. Pour obtenir une Iron Spike. Justement, 5 lagots de fer, du coup, moi j'en ai fait couler. Plutôt pas mal d'ailleurs. Donc, du coup, normalement, c'est ça plus. Ah bah non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, ok, c'est très petit, hein. C'est vraiment petit le machin. Voilà, 6 lingots de fer pour obtenir l'Iron Spike. Si ça veut bien, par contre. Hein. Allô, oui? Oui, non, tu veux, non. Ah. Ah bah voilà. On a fallu du temps. Hop, on a eu nos sprites. On va faire pareil pour tout, hein. Tant qu'à faire, on fait vraiment pour tout. Hop, on va valider cette quête. Hop, en plus, ça nous en donne deux de plus. Ce qui est plutôt sympa. Et du coup, on va passer au convoyeur belt et au convoyeur belt. Ah, c'est deux. Pardonnez-moi. Plastique. Une probabilité. Ok. En fait, la sapling qu'on doit avoir sera une probabilité. De l'obtenir sur certains mobs, mais pas tous. C'est pas comme s'ils étaient cool, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il cherche, le petit? Il cherche. Ah oui, j'ai fait aussi une partie des abeilles, hein, parce que YOLO. What? Il a commencé Botania, Redix. Il a commencé Botania. Ah, le petit coquin. Le petit coquin, il a commencé. Ah, ouais, ok.
Ok. On peut. Ouais, c'est pas grave. Elles meurent tous. Ah, d'accord. Elles meurent là-dedans. D'accord, très bien. Donc, du coup, les plus mystiques, ce fond-là, c'est moi qui lui fais. Oh, des cactuscides. Merci, Iridix. Tiens, je te les mets là-dedans. Parce que je suis gentil. Ok, c'est comme ça qu'on obtiendra du cactus facilement. Très bien, donc j'ai encore celui-là et celui-là à faire couler dessus. Donc j'ai 5 Iron Spike, hein, donc ça c'est normal. Convoyeur Belt. Convoyeur Belt. Du coup, s'obtient avec des rails. Donc ça, c'est plutôt simple à faire. Mais ce n'est pas ça qui va me demander, c'est ça. Le rubber, je vais l'obtenir soit en faisant de la glu. Donc la glu, c'est c'est de la glu en fait. Comment on obtient de la glu? Pas comme ça en tout cas. Rubber, ça se fait que sur du rubber wood. Et du coup, il faut que j'aille, que je sache comment avoir une rubber sapling facilement. Ce qui n'est pas forcément le cas pour tout. Rubber block, rubber. Rubber tree sapling. Ok, le rubber tree sapling s'obtient en mettant de la dirt dans un sieve. En préférence automatique, hein, ça sera plus simple. Et on obtient avec 2% de chance d'obtenir justement ce rubber-là. Ça va être assez complexe. Melon, potatoes, mushroom, potatoes. Je crois que j'en ai pas du tout encore. Hein. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Là, c'est une seed oak. Ok. Mais en fait, j'ai pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, la matoque, on peut pas la réparer en auto. Ah non. Un peu dommage. On va la réparer un petit peu avec le fer, par contre. Dommage, on peut pas la réparer comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, c'est magnifique. Du coup, je vais aller faire ce qu'il faut avec des saplings pour obtenir justement cette fameuse terre. Ça va pas être simple, mais on va faire ce qu'il faut. Hop, en plus des saplings, c'est pas comme si on n'en avait pas assez. Donc ça va être plutôt sympa, ça je vais le garder. Mais également, je vais devoir faire une violette. Colorant. Je crois que ça marque encore colorant. Non. Seed. Non. C'est des carottes seed et sugar cane qu'on obtient en faisant un mélange. On obtient, voilà, on obtient à partir d'une pumpkin et d'une sugar, on obtient une poppy. La poppy, il faut la remodifier en mettant par exemple du dandelion. Ça obtient du blue, le blue du violet, et le violet ça fait du red. Et le red, GG, le red obtient déjà ceci. Donc, ça, on va en avoir besoin. Mais également nous. Oh, un cuprum. Un copper. Ok, très bien. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je vais faire les petits croisements qu'il faut. Et je reviens. Et roule les gens. Bon, alors, ici, fait mes poppycides. Donc, du coup, je les ai croisés ici. J'ai fait le croisement. Ça a pris facilement 45 minutes, rien que pour le faire. Faire les croisements adéquats. Du coup, je les ai reproduits. J'ai 3 10 10 10 ici. Donc, ça produit plutôt pas mal. Hein. On peut les booster avec bien sûr ceci. Donc, hop, voilà. Il y en a une des matures. L'autre, elle va vite arriver. 71, 86 normalement après. Ou ça veut pas. Hop, l'autre, elle est déjà mature. 86, et hop, ça va être mature. Et une fois qu'on les a bien sûr en mature, voilà. Et 62. Quand on fait un clic droit dessus, ça en donne 4. Après 6,
et hop, ça fait une dizaine. Voilà, on a déjà un stack de roses facilement là-dedans. Alors, par la suite, bien sûr, sachant qu'on commence à devenir dans le mode un petit peu noir par là-bas, je mettrai une glowstone au milieu pour justement que ça reproduise plus vite. C'est quand même mieux. Du coup, on va passer un petit peu au jaune, parce que le jaune, bah, c'est bien beau, mais il va falloir aller dans des lioncides. Celle-ci, c'est de la Sugarcane avec du melon cette fois-ci. Donc Sugarcane, bah en ananas, ça c'est pas trop un problème. Mais disons que cette fois-ci, il va falloir du melon. Donc du coup, bah let's go pour du melon, hein. C'est pas pour dire, mais il nous faudra du melon. Du coup, le melon, il se trouve normalement ici. On va passer au gain numéro 2, ça peut être sympa. Voilà, on va le faire pousser, comme j'avais fait juste avant. Hop. C'est toujours en ligne. Bon, évidemment, des fois c'est long, des fois c'est rapide. 57. Ça, c'est un 10-10-10, et là, c'est un 2-2-2. 86. Voilà, on a obtenu nos 100. Du coup, pour faire la dent des lions, celle-ci, hop, dent des lioncides, il faut du coup le melon sur deux puzzles. Ça fonctionne très bien, bah, c'est parfait. Donc, du coup, on fait nos croisements et on tape. Et normalement, on doit obtenir ce qu'il faut. Célericide, je crois que c'est pas du tout ce qu'il faut. Il faut une dent des lioncides. On a obtenu du céleri, c'est cool, mais c'est pas ce qu'on veut. Dans des lioncides. Hop, on a notre première et il nous en faut une deuxième. Non, j'ai dit il nous en faut une deuxième. Melon de cidre, on s'en fout de la melon. Melon encore. On va pas obtenir notre dent des lions. Hein. Melon. Qu'est-ce que ça m'énerve? On a de l'herbe pourrie. Melon. Putain, et on va vraiment avoir que du melon. Céleri. Oh. Après, j'espère que c'est une dent des lions. Une dandelion. Eh ben voilà, nous avons obtenu deux dandelions. Qu'on va bien sûr analyser. Et on obtient du 3 par 3. Alors les cides là, c'est obligatoirement du 3 par 3 par 3 au démarrage. Directement, ça vous évite un supplément de facteurs de problème éventuels. Coucou toi. Donc, hop, on est en train de justement faire nos dandelions cides. Hein, donc ça produit. On va les atteindre jusqu'à 10-10 et une fois atteint les 10-10, déjà on va pouvoir commencer Botania facilement. Notamment ça, on pourra aller dans une autre dimension dans la prochaine fois. Coucou toi. Tiens, je t'arrose de flotte. Coucou toi. Oui. Hop. Donc on va produire tout ça. Vas-y. Vas-y. Accélère, accélère. Vas-y, vas-y. Encore plus, plus, plus. Plus, plus. Allez, 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 c'est la course, allez, 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 86, 86, 86, 86, mature. Et puis on fait ça. Et puis on analyse. Et ça fait du 3 à 3 à 4. Alors soit vous refaites la même chose ici. Hop, on obtient une autre seed. Voilà, avec une seed complètement différente. Hein. Une strength 3 machin. Et du coup, vous pouvez péter celle-ci et celle-ci. Et vous pouvez replanter les deux là. Tac et tac. Et faire repousser le tout. Voilà, c'est tout simple. Donc du coup, nous, on se retrouve une fois que j'aurai les 10, 10, 10. Donc, les gens, voici la dinde des lions. 10, 10, 10. Ouais, puis lui, il crève. Donc.
Poppy 10 des 10, Dandelion 10 des 10. Ça devrait super bien se passer parce que c'est du rouge et du lapis. Alors je pourrais faire éventuellement la bleue. Peut-être pas comme celle-là, la bleue. Excusez-moi, je viens d'éternuer, donc pour éviter de massacrer le micro, bah, j'ai coupé. Du coup, la bleue. Est-ce qu'il y a une scie de lapis? Oui, une scie de lapis. Ouais, d'accord. On va peut-être éviter. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. La poppy gelée. T'es pour faire celle-là, c'était pour faire la red tulip. Et la red tulip, elle donnait quoi? Bah, elle donne ça. Ouais, mais ça sert à rien du coup. Sachant qu'elle fait tout. Donc, normalement, pour obtenir ce qu'il faut. Hop. Voilà, floral fertilizer, c'est juste des dandelions, des roses. Comme ceci, ça fait une floral fertilizer. Voilà. Donc du coup, si on fait bien les choses, et d'ailleurs il faudrait voir s'il y a une seed à machin, on le trouve dans la dust, si ça a 20% de chance, ou sinon... Eh bah ben, sinon rien du tout en fait. Bout de magique. Ouais, donc du coup bah ça on l'obtient que comme ça du coup. On ne tient qu'avec de la dust. Ok. Bon bah c'est cool du coup. Si on l'obtient qu'avec de la dust, c'est parfait. Du coup, on va commencer ça. Du coup, dans les niveaux des quêtes, on en parlait. Ça, je le ferai éventuellement plus tard. Parce que c'est de la dirt. Et la dirt, on obtient du sapling. Ça, je suis à 4 creepers sur 10. Ok, on va faire du coup Botania. Voilà, on a obtenu ceci. Donc, le livre. Il faut obtenir maintenant ceci. Le pétale machin, donc du coup, Boutania. Voilà, et pour obtenir le pétale, The Bidule Chouette, pouf, c'est une pétale n'importe laquelle, Stone, Cobblestone, 1, 2, et là. Cobble, donc j'ai ce qu'il faut là, et du coup il faudrait faire. Comment on l'obtient ça? Ah oui, c'est comme ça, c'est ok. Ah, du puzzle, on pourrait en obtenir d'ailleurs. Ah, en plus, on peut la crafter la puzzle. Ah, c'est cool, c'est du spruce. Ok, parfait, mais c'était pas ça du coup que je voulais faire, c'était ça. Et ça, avec ceci, et une petite pétale au-dessus. Mais la pétale, on la fera du coup. On va la faire. Mais il me faut justement ce truc-là. Et il me faut ceci. Alors, du coup, il me faut ça. Il me faut ça. Et il me faut ça. Oui! J'ai pas beaucoup, mais c'est pas très grave. Floral Fertilizer, j'en ai. Et du coup, il va me falloir de la terre. Et, mais comme le champ là, il vient d'être repoussé, on va obtenir du coup notre terre. Faudra un truc automatique là, ça serait bien. Oui. Ah non. Oui. Ouais. Ouais, je fais les choses pas qu'à moitié, mais... Tac, tac, tac. On obtient encore ceci, celui-ci. Voilà, avec ça. Oui, vous inquiétez pas, les morts, c'est tout à fait naturel. C'est quand on n'est pas du tout mauvais. Hop.
Du coup, ça va directement là-dedans et on obtient du coup 22 dirt. Alors, la dirt c'est bien beau, mais on va mettre une grassy dessus. J'ai une melon seed, j'ai pas une grasse. J'ai pas une grasse. On n'obtient pas de la grasse. Grasside, on l'obtient avec de la dirt. C'est un peu chiant ça par contre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, voilà, on met directement le sieve là-dedans. Et ça, du coup, on le retire. Voilà, et ça, on le retire également. Voilà, hop, j'en prends la moitié, j'en mets là, et puis bon, hop, bah tiens, une grasside. J'ai déjà ce qu'il faut. Grassy, donc du coup, tac, voilà. Alors j'ai bien séparé avec le tronc ici, pourquoi? Parce que tout simplement ça reste à là et ça restera là. Cependant, ça par exemple, je pourrais le déplacer. Ça, je vais du coup le déplacer pour le mettre plus au centre, pour avoir une belle proportion de 3 par 3. Puis en même temps, on récupère du coup des champignons. Voilà. 2, 3. Voilà. Et du coup, on va pouvoir faire ça. Voilà, bah ça c'est beau. Ça c'est beau du coup. Ce que j'aurais voulu faire éventuellement, c'est que bah justement ceci, je le mette pas là. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Voilà. Je mets la cobble ici pour mettre le justement ça correctement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors pourquoi je mets ça là? C'est tout simplement 1. Déjà, ça fait une séparation en cobble ici. Donc OZEF. Ça, je peux normalement l'accélérer. Voilà. Ça, c'est cool. Ça accélère tellement vite. Ça. Tuc, 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 tuc. Voilà, ça fait de la grâce complètement partout. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et ici, bah, restera du coup le, ça restera ceci. Je vais devoir mettre quand même quelques torches parce qu'il faut des torches. Alors, attendez, je recherche ce qu'il faut. Ça, je vais le prendre. Ça, je vais foutre ça là. Ça aussi, tiens, tant qu'à faire. Champignons avec. Il faut du charcoal. Tac, parfait. Il faut des sticks. Tac et tac. Voilà. Du coup, on va pouvoir en mettre un là. Et du coup, en mettre un ici. Tac. Voilà. Et un autre qui se mettra ici. D'accord, très bien. Hop, 5 dirt, c'est parfait. Du coup, ça fait une dirt là. 1, 2, 3, 4. Parfait. On va juste mettre ceci pour faire la liaison facilement. Oh, on obtient même des fleurs comme ça. Oh. Est-ce que ça va accélérer ici? J'ai pas l'impression que ça accélère s'il y a une torche dessus. Ouais, s'il y a une torche dessus, ça accélère pas. Ok, c'est bon à savoir ça. Hop. Allez, on accélère le pas. Allez, messieurs. Voilà, on va accélérer le tout. C'est bizarre que ça ait donné des fleurs ici. Normalement, ça aurait pas dû, mais. Allez, on accélère. Allez, allez, allez. Bon, c'est pas grave, on va foutre ça quand même. Du coup, bah ça, je vais le foutre juste là. Ça, je vais le foutre ici. Tac, tac. Du coup, on a ce qu'il faut, on a ça. On va chercher la dirt qui est en train de se faire. On en prend de plus, c'est bien. 1, 2, 3. On arrose tout ça. Voilà, ça accélère. Ici, ça n'a pas du tout envie de le faire, mais c'est pas grave. Et du coup, on peut se faire nos fertiliseurs.
Voilà. On obtient du coup les belles petites fleurs, tranquillement. Botania Power. Hop. Ouais, on pourrait même faire ça. Hop. Donc du coup, bah la prochaine fois, on va pouvoir s'attaquer à Botania officiellement. Et en plus, vous voyez, ça peut faire des justement des grosses pétales de, bah, notamment de fleurs, mais également du colorant. Eh oui. Oh. Ah. Ça, c'est cool. Ouais, bah c'est cool du coup. Bah voilà, c'est comme ça qu'on se fait des colorants. Du coup, moi, je vais vous laisser et je vous dis du coup à une prochaine. Ciao tout le monde.